dans cette salle. Donc la thématique, c'est le digital marketing et le SEO. Donc vous allez avoir en fait un certain nombre de présentations. Et puis classiquement, pour ceux qui sont là depuis hier, donc les présentations qui seront suivies donc, de débats et d'échanges avec la salle. Donc on va essayer d'être efficace comme d'habitude et puis voilà, j'espère que vous allez bien en profiter. Dans la salle d'à côté, toujours des conférences et ateliers autour de Joomla. D'accord. Et à découverte, on a une troisième salle où on fait des ateliers autour de l'image numérique. Pour nous accompagner cet après-midi, quatre intervenants. Samir Belik, qui est déjà au front. Mohamed Diaby, qui, Dieu merci, a récupéré son avion. Tu me corriges si je... Asni Kabeb. Voilà. Et donc, dernièrement, Syriac Bogou. Pas de transition, on va enchaîner directement. En essayant de respecter un timing, donc 15 minutes. S'il vous plaît, si à l'issue de chacune des présentations, vous avez des questions, on va innover dans le numérique, papier, crayon, en notes, et on revient vers la fin du film. D'accord ? Un, deux. Voilà, parfait. Bonjour à tous, bienvenue à Algérie 2.0. Donc, cette édition africaine, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter quelques slides. Bon, il y en a un peu beaucoup quand même des slides, mais on va essayer de passer très vite. On va parler de visibilité et de présence sur Internet. Donc, comme on est sur Algérie 2.0 et qu'on parle du digital en général, moi, je m'appelle Samir Belik et j'ai lancé une entreprise en Algérie, une petite start-up qui s'appelle Gen42, et on s'occupe justement de web marketing. Comment faire pour rentabiliser une entreprise sur Internet, que ce soit par de la vente de services, de produits ou d'informations. Donc, on va voir aujourd'hui, de manière assez brève, quelles sont les étapes et quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser sur Internet de la manière la plus simple possible, de manière à ce que n'importe qui puisse comprendre, même s'il n'a aucune relation avec Internet. Donc, on va commencer avec quelques chiffres. Donc, désolé pour nos amis qui ne viennent pas d'Algérie, j'ai que des chiffres pour l'Algérie aujourd'hui. Mais je vais vous dire comment est-ce qu'on peut récolter ces chiffres de manière gratuite et rapide. Donc là, on a une évolution justement sur les chiffres en Algérie, nombre d'internautes, en internautes actifs quotidiens. Donc aujourd'hui, en Algérie, on est arrivé à 11 millions d'internautes actifs quotidiens. Il y a tous les jours 11 millions de personnes qui se connectent à Internet pour une moyenne de 4 heures par jour. Donc aujourd'hui, les Algériens se connectent de plus en plus et de plus en plus sur mobile surtout. Donc depuis le lancement de la 3G, on voit une évolution certaine. Donc là, si j'ai le pointeur qui va au bon endroit, non, j'arrive pas. Donc je vais parler un peu plus fort. Donc là, ça c'est une étude qui a été faite par Google sur la région, sur l'Afrique du Nord, qui montre la consommation des médias pour les Algériens, les Tunisiens et les Marocains aussi. Donc là, on a Internet en desktop et mobile, avec une progression de 200% pour le mobile pour la cinquième année consécutive. On utilise Internet à plus de 60% aujourd'hui en Algérie via mobile. Donc on reste 4 heures connectés par jour, comparativement, la télé est à 3 heures, la radio à 1 heure, texto et appel, on est à moins d'une heure. Les journaux, bon, on n'a pas de chiffres pour l'Algérie, mais c'est équivalent, on espère que c'est équivalent à la Tunisie et au Maroc, où ils sont à une demi-heure à peu près. Donc, les gens restent de plus en plus sur Internet, consomment de plus en plus d'informations, de vidéos, d'images, enfin, surtout des réseaux sociaux. Et les gens investissent toujours pas assez sur Internet pour leur communication. Quand je dis les gens, je parle des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises ratent des occasions énormes avec le web, contrairement aux médias classiques. Le web nous apporte beaucoup de chiffres. On peut savoir qui est venu sur notre site ou sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter, qu'est-ce qu'il a fait, combien de temps il est resté, qu'est-ce qui l'intéresse, et toutes les informations qu'on espère avoir à partir de ce genre de choses pour pouvoir justement établir nos stratégies. Donc Facebook, 11 millions, autant d'internautes que de Facebookers en Algérie, tout le monde est sur Facebook. On a 9,2 millions de personnes qui ont plus de 18 ans, 6,9 millions d'hommes et 4,1 millions de femmes. Ces chiffres-là, il suffit d'aller sur Facebook, de créer une page, ou alors
si vous avez déjà une page, vous allez sur promouvoir une publication, alors essayez de faire de la, comme si vous alliez faire une publicité. Et quand vous allez dessus, vous avez une petite option qui dit option avancée. Dans option avancée, vous allez pouvoir justement déterminer les filtres que vous voulez mettre. Choisir le pays, choisir la tranche d'âge, choisir ce que vous voulez cibler, des hommes ou des femmes ou tout le monde. Est-ce que vous voulez cibler aussi par centre d'intérêt, par toutes les informations qu'on donne à Facebook, nous, on peut l'utiliser pour faire de la publicité sur Facebook. Et donc, rétrécir ou bien mieux cibler notre population. Et c'est comme ça qu'on peut avoir ces chiffres-là. Il faut savoir que Facebook utilise une moyenne sur la semaine. Donc, on n'est jamais très très loin de la, pardon, du nombre quotidien. YouTube en Algérie, on a accès à la publicité sur YouTube depuis après 8 mois aujourd'hui. Bien sûr, on subit du coup la publicité quand on veut voir des vidéos sur YouTube, mais l'avantage c'est qu'on peut faire de la publicité et on peut gagner de l'argent sur YouTube en faisant des vidéos. Aujourd'hui, les gens qui font des podcasts, qui font des vidéos humoristiques sur YouTube, juste en cliquant sur « monétiser la vidéo », vous permettez à YouTube de faire de diffuser de la pub sur vos vidéos. Et quand il y a de la pub sur vos vidéos, vous gagnez une partie de l'argent que l'annonceur aura mis sur sa campagne. Par exemple, si l'annonceur va payer 50 centimes d'euros par exemple par vue, dès qu'il y a quelqu'un qui voit une vidéo sur votre chaîne ou sur votre vidéo, vous gagnez la moitié. Approximativement, il y a des paramètres. LinkedIn. Aujourd'hui, on est à presque 1 million sur LinkedIn, en général en Algérie, et à peu près à 400 000 utilisateurs actifs quotidiennement. Bien sûr, LinkedIn, on n'a plus à le présenter, c'est le réseau professionnel numéro 1. On peut cibler par entreprise, pour la publicité, par poste, par ancienneté, par tous les critères qu'on peut imaginer pour des critères professionnels. Et ça reste aussi un réseau très très propre, contrairement à Facebook, on va trouver un peu tout et n'importe quoi. Quand on cible du B2B, ça reste le premier réseau et le meilleur. Twitter. Aucun chiffre réel sur Twitter, en fait, vu que quand on va sur Twitter, on ne donne pas le pays où on est. Par contre, on peut savoir d'où est-ce que les gens sont en train de tweeter et d'où est-ce qu'ils sont en train de vous follower. Donc, on utilise des outils qui nous permettent de savoir approximativement. On est à peu près à 1 million sur Twitter avec une progression, c'est le réseau qui progresse le plus vite. On a une progression qui avoisine les 50% par mois. Donc, les stratégies. Quand on va parler de web et d'entrepreneuriat, comme on en a parlé ce matin, donc le but de toute présence sur Internet est justement de pouvoir faire prospérer notre entreprise, pouvoir vendre, pouvoir attirer des clients, etc. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Avec des stratégies très simples. Donc, on va chercher des leads, donc des prospects, des gens qui sont intéressés par les produits. On va ensuite essayer de les transformer en clients. Donc, on va parler aussi de brand awareness, donc se faire connaître, parce que si on ne vous connaît pas, ben les gens ont du mal à venir acheter vos produits. Et bien sûr, le lancement de produits. Donc comment? Ça commence toujours par un site web. C'est vrai que c'est très facile d'avoir une page sur Facebook, un compte sur Twitter, c'est gratuit, c'est rapide, mais ça ne remplacera jamais un site web. Sur Facebook, vous allez publier chaque jour, chaque semaine, je ne sais pas. À chaque fois que vous allez publier, ça va envoyer l'ancienne information plus bas dans votre timeline. Et ce n'est pas intéressant. C'est-à-dire que la personne qui va rentrer, en général, ne va pas voir plus de 3 postes, à part si elle est vraiment intéressée. Et du coup, ben, vous allez perdre des occasions. Si vous avez, je sais pas, 10 produits, ben, on va voir que les 3 derniers qui ont été publiés. Alors qu'un site web, non. Ça va retenir toutes les informations qu'on a sur un seul endroit, vers lequel on va rediriger les gens depuis nos réseaux sociaux, depuis les moteurs de recherche, depuis tous les endroits sur lesquels on peut publier sur Internet. Et donc, ce site web, d'abord, il doit être référencé. Parce que le premier endroit où on va le trouver, c'est sur les moteurs de recherche. Google, 99%. Donc, c'est là qu'on va parler de SEO. SEO, c'est du Search Engine Optimization. Donc, c'est comment optimiser votre site web pour que Google comprenne de quoi il parle et qu'il le présente aux gens qui sont en train de chercher des informations similaires. Pour faire comprendre à Google que l'information que vous avez sur votre site est pertinente pour la personne qui est en train de rechercher. Et donc, ça, je vais laisser notre collègue là-bas qui va vous en parler tout à l'heure avec sa présentation, il va aller plus en profondeur. Donc, ensuite, nous avons tout ce qui est publicité payante. Donc, sur les réseaux sociaux, on a ce qu'on appelle les social ads. Sur Facebook, par exemple, on a ce qu'on appelle la promotion de publication. À chaque fois que vous faites une publication, si vous avez une page, vous remarquez qu'il y a un bouton « Promouvoir la publication » ou « Boost post ». Vous allez payer Facebook pour que les gens voient, pour qu'une certaine cible que vous avez choisie, voir votre publication.
Donc, par exemple, on peut dire que, enfin, je sais pas, l'un de nos clients, par exemple, propose des produits de beauté pour femmes. Donc, quand on va cibler les femmes entre 18 et 34 ans, parce que l'entreprise sait que ses clients, c'est plus des femmes entre 18 et 34 ans. Ensuite, on peut affiner ce ciblage en disant que, et qui aiment tout ce qui est maquillage, fashion, etc., les bijoux, etc. Parce qu'ils ont fait des études au préalable qui leur disent que leur cœur de cible est plus intéressé par ça et ça. Et ça, vous ne pouvez pas l'avoir avec des médias classiques. C'est-à-dire que vous allez mettre un billboard dehors, vous allez mettre une annonce dans un journal, vous n'allez jamais pouvoir atteindre votre cible à part avec certains magazines spécialisés, et encore, on n'est pas certain que les gens vont voir cette publicité. Là, Facebook vous garantit que vous pouvez faire voir votre publicité au moins une fois sur 3 jours à une personne. Et vous avez toutes les statistiques derrière, qui c'est qui a cliqué, qui est intéressé, qui a commenté, qu'est-ce qui a été dit, il y a un échange aussi, chose qu'on n'a pas avec les autres médias classiques. Donc on a aussi la redirection vers site web. Donc on paye Facebook pour que les gens cliquent sur notre publicité et qu'ils aillent sur notre site. Et justement, on ne paye que quand les gens ont cliqué, pas avant. Tac. Et bien sûr, on a des rapports. Et ça, c'est l'outil le plus indispensable dans toutes les stratégies que vous allez faire. C'est-à-dire que ce soit sur les médias sociaux ou que ce soit sur votre site, vous pouvez avoir des rapports très détaillés de ce qui se passe sur votre site, sur votre page, sur votre compte, et qui vous dit... Si vous avez bien développé votre stratégie, si vous n'êtes pas à côté de la plaque, si j'ai un ami qui a lancé un site d'information automobile, il s'est rendu compte qu'il avait plus de femmes que d'hommes. Pourquoi ? Parce que son site était beaucoup plus design, qu'il utilisait des images qui étaient bien retouchées. Et ça intéressait plus de femmes que d'hommes pour son site. Et c'était très très bizarre. Il a vendu son site à une amie qui aujourd'hui tient le premier blog féminin automobile en Algérie. Donc, ces rapports-là peuvent nous indiquer beaucoup de choses, et justement, on ne peut pas avancer sans savoir ce qui se passe autour de nous quand on a une entreprise. Donc, notre objectif. Donc, 1, attirer les prospects. On a quelques méthodes quand on va faire des campagnes publicitaires, c'est justement des process de recrutement. On va essayer de faire ce qu'on appelle sur Internet de la transformation. On va transformer le visiteur en prospect. Qu'est-ce qu'un prospect ? Un prospect, c'est quelqu'un qu'on va connaître. On doit savoir comment il s'appelle, son email, son numéro de téléphone, peut-être où il habite. Et justement, ces informations, on va les rentrer dans une base de données qui seront notre base de données client, qu'on pourra intégrer dans notre CRM, qui est un logiciel de gestion de relations clients. Donc pour ça, on a plusieurs méthodes. On peut aller sur Facebook, Google Search, Google Display Network, YouTube, et même sur Twitter ou sur LinkedIn. Donc pour ce faire, sur Facebook, on a ce qu'on appelle Facebook Pixel Tracker. C'est un petit script, un petit bout de code qu'on va mettre sur notre site, sur la page où on va attirer les gens, où on va mettre notre formulaire de contact. Et on va payer que quand les gens vont remplir le formulaire et cliquer sur envoyer. C'est-à-dire qu'on va payer que pour avoir des prospects. On ne va pas payer parce qu'on a eu de la publicité qui a été affichée. On ne va pas payer parce que les gens ont visité notre site. On va payer que pour avoir des prospects. Et ça, pour les entreprises, ça n'a pas de prix. J'ai un contact, je vais l'appeler, je vais le harceler au téléphone jusqu'à ce qu'il vienne acheter quelque chose chez moi. Et ça, c'est le premier pas pour avoir des clients. Sur Google, on a la même chose, qui s'appelle Google Suivi de Conversion. C'est le même principe, un petit bout de code à installer sur notre site, et on ne paye que quand les gens cliquent sur le bouton qu'on veut. Si on a de l'achat, possibilité d'achat en ligne, on n'a pas ça en Algérie, mais on peut faire ça aussi que quand les gens vont cliquer sur acheter. Et du coup, on va pouvoir mettre un prix sur notre retour sur investissement. Alors je suis prêt à investir 100 dinars pour vendre un produit qui coûte 3000 dinars parce que j'ai une bonne marge et je peux me permettre d'investir 100 dinars. Sachant que chaque achat que je vais faire, que je vais générer, peut me rapporter d'autres achats qui ne viennent pas à travers ce genre de méthode. C'est-à-dire que cette méthode va traquer les gens qui viennent de Google vers mon site pour faire des achats. Par contre, s'il vient de LinkedIn ou s'il vient d'un blog qui n'a pas cliqué sur la publicité qu'il a vue sur Google, là je ne vais pas payer. Et c'est du tout bénéf pour moi. Et en général, quand quelqu'un va faire un achat, et si le client est satisfait, si on le gère bien sur nos réseaux sociaux, il va en parler, il va partager, il va commenter, et ça va pouvoir nous générer d'autres achats qui ne nous coûteront rien de plus que notre effort qu'on aura fourni justement sur ces médias sociaux. Ensuite, on a des process qui sont un peu plus différents comparés aux médias classiques. Donc, sur Internet, on fait des campagnes always on. Pourquoi ? Parce que contrairement aux médias classiques où on va faire des campagnes que quand on va lancer des produits, qu'on a un événement, qu'on a quelque chose à annoncer, là, on va pouvoir lancer des campagnes 24 sur 24, 7 jours sur 7, parce que les internautes font des recherches tout le temps.
Ils sont tout le temps en face de leur ordinateur. Dès qu'on a une question en tête, hop, on Google. Et si on n'est pas là quand la personne a fait sa recherche, on rate une occasion. Donc on peut justement lancer ces campagnes, les laisser tourner. On sait qu'on ne paye que quand la personne va acheter ou qu'on aura un prospect. Donc pourquoi l'arrêter? Donc on sait quel budget on va mettre en place. Je ne sais pas, je peux me permettre de mettre un budget, je ne sais pas, de 1000 dollars par mois. Ce budget de 1000 dollars par mois, je vais le ventiler sur tout le mois et voir ce que ça va me rapporter. Je peux le dépenser complètement, ça va me rapporter tant de clients ou tant de prospects, comme je peux dépenser uniquement une portion, si les gens n'ont pas été intéressés par la publicité, s'il n'y a pas assez de clients. Et là, ça va me dire que ma stratégie n'est pas très très bonne. Il faut la revoir. Donc voilà, ça c'est un tableau. Je vais partager la présentation sur SlideShare. Vous pourrez la télécharger. Donc il y a une explication de chaque process, chaque mode de publicité qu'on peut faire avec les KPIs qu'on peut avoir avec et une description. Donc on a aussi le community management. Parce que quand on est présent sur les médias sociaux, il faut bien gérer cette communauté, les gens qui viennent poser des questions, les gens qui veulent avoir des informations. Donc, et surtout savoir quoi publier, de quelle manière, à quelle heure, à quel moment, de quel type de poste est-ce que les gens préfèrent, etc. Ça, c'est le métier du community manager, la personne qui va gérer la communauté. Donc, cette personne va être présente sur les médias sociaux, un peu tous, là où on peut être, tout ce qui est pertinent pour notre marque ou pour nos produits. Par exemple, sur Twitter, YouTube, Instagram, Google+, Tumblr, Facebook, LinkedIn, Vine, il y en a de plus en plus, et chacun de ces médias sociaux a une spécificité. Donc, si on a des produits qui sont plus design, plus féminin, Pinterest peut être une très très bonne alternative. 89% des membres de Pinterest sont des femmes. Et en plus, Pinterest, dès qu'on partage quelque chose dessus, c'est très très hautement, va nous aider énormément, à référencer nos images sur Google. Twitter, ça marche pareil pour les liens. Dès qu'on partage un lien avec les bons hashtags sur Twitter, ça va nous permettre d'être bien référencés sur Google, etc. Tac, tac, tac. Donc, le process du community manager va passer par 5 étapes principales. 1, l'écoute. Savoir ce qui se dit. C'est-à-dire que qu'est-ce que les gens disent de notre marque, de nos produits, de nos dirigeants, de nos concurrents. Toutes ces informations, donc pour savoir qu'est-ce que les gens pensent, on peut, et ce qu'ils recherchent, ce qu'ils sont en train de commenter, etc. On peut le savoir grâce à certains outils qui nous permettent de savoir, de recueillir justement ces mentions depuis Internet, quelle que soit la source. Il y a des outils gratuits comme Mention, comme Google Alert, comme... qu'est-ce qu'il y a aussi comme gratuit Sendable, il y en a pas mal qui proposent ça. Vous mettez recherche de mentions gratuites, vous avez toute une liste qui est proposée à vous et chacun a des avantages, certains inconvénients. Donc, utiliser 2-3 outils en général, c'est assez suffisant. Donc, ensuite, on a la partie engagement. L'engagement, c'est parler à ces gens, parler aux internautes, parler à ces clients possibles qui sont sur Internet. Ces clients-là, donc, quand ils vont échanger avec nous, quand on va parler avec quelqu'un qui soit satisfait, dissatisfait, qui soit juste curieux, c'est quelque chose qui va nous permettre de l'attirer vers nous. Les plus intéressants dans le métier du community management, c'est les gens qui ne sont pas contents. C'est les meilleurs. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, on peut les rapatrier vers nous. Si quelqu'un a acheté un produit chez nous et qu'il n'est pas satisfait par soit le produit, soit le service après-vente, soit le prix, soit il a trouvé quelque chose de plus intéressant ailleurs, on peut discuter avec lui sur Internet, l'inviter à revenir, lui envoyer des agents chez lui pour réparer son problème, etc. Avant de lancer mon entreprise, je travaillais chez Samsung, par exemple, Electronics en Algérie. Dès qu'il y avait un commentaire négatif à propos de l'un des produits et du SAV, on envoyait des agents directement chez la personne, donc on le contactait de personne directement, soit par téléphone, par email ou par message privé, et on le prenait en charge. Cette personne qui a été prise en charge et à qui on a réglé le problème revient sur la page d'une manière extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est très heureux et très content d'avoir été pris en charge. On l'a écouté et on lui a donné un service à valeur ajoutée qu'il n'a pas trouvé ailleurs. Et donc, cette personne devient un ambassadeur de notre marque. C'est quelqu'un qui va partager, qui va commenter, qui va défendre la marque sur notre page gratuitement juste parce qu'on a réglé son problème. Donc, après l'engagement, on a aussi la publication. Donc, qu'est-ce qu'on va publier sur ces réseaux sociaux? Donc, définir un planning éditorial, définir une ligne éditoriale, choisir les photos, faire des créas graphiques pour que ça soit plus vivant. Peut-être faire des vidéos aussi et les partager. Ensuite, on a bien sûr le reporting. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça fonctionne bien? Qui sont ces gens qui sont en train de nous parler? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Est-ce qu'il serait bon de faire différemment, etc.
Et une fois qu'on a ce cycle, on revient vers l'optimisation. Donc, on sait ce qui a été fait. À travers ce rapport, on va améliorer notre process pour le prochain cycle, et ainsi de suite. Donc, quand on gère sa marque sur Facebook, on a notre allié qui est Facebook Insight. C'est la page où on a les statistiques sur notre page. Donc, on va savoir chaque post, comment a fonctionné chaque post, combien de gens l'ont vu, combien de gens ont commenté. On va savoir qui sont ces gens qui viennent sur notre page Facebook, les tranches d'âge, ce sont des hommes, ce sont des femmes, de quel pays ils viennent, de quelle ville ils viennent, quelle langue ils parlent, sur quelle langue ils sont installés, quel genre d'ordinateur ils utilisent ou téléphone. Tous les détails qu'on peut imaginer, on peut les avoir à travers ces rapports-là sur Facebook Insight. Hop. Ensuite, on va avoir la même chose, mais sur les moteurs de recherche. Search Engine Marketing. Donc là, c'est quand on va payer sur Google, ou sur Bing, ou sur Yahoo, pour avoir de la publicité. Donc le SEM, c'est... Ça commence à... Bon, pardon, je vais... Non, j'ai pas mis ce slide. Donc on a trois modes de publicité différentes sur Google. Publicité texte, qu'on va avoir sur le moteur de recherche. Quand on va faire une recherche, souvent on a trois publicités qui vont être mises en valeur au début, suivant les mots-clés qu'on aura tapés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la publicité search. On a aussi les bannières qu'on va retrouver sur les sites. Quand on a un site, on peut placer des bannières du service qu'on appelle Google AdSense. À chaque fois qu'on a des publicités qui sont affichées sur notre site, on gagne de l'argent, comme sur YouTube. Donc, mais là, l'annonceur peut aussi faire de la publicité donc sur 90% des sites web qui se trouvent dans le monde. 90% des sites web dans le monde possèdent des bannières AdSense. Donc on peut lancer des campagnes très ciblées à travers ça. On peut cibler par mots-clés, on peut cibler par habitude de recherche, donc par centre d'intérêt, ou on peut cibler aussi par contexte. Donc, quel est le contenu de ce site? Si je vends des vélos, je vais cibler tous les sites qui vont parler de vélos, de mécanique pour vélos, peut-être de motos, d'accessoires pour vélos, etc. Et ça me permettra justement de ne pas éparpiller ma publicité sur des sites où il ne sera pas très pertinent. Parce que cette pertinence dont je parle depuis tout à l'heure, c'est très important sur Google. Par rapport à notre publicité, on va sur toutes ces publicités, en fait, c'est un système d'enchères. Celui qui paye le plus apparaîtra en premier. Si on ne paye pas assez, on peut ne pas apparaître. Mais sur Google, justement, ce n'est pas le seul critère. Le deuxième critère, c'est la pertinence de la publicité et la qualité de la publicité. Si on va mettre, par exemple, une publicité qui est très racoleuse, mais qui n'a aucun rapport avec ce qui se trouve sur le site qu'on a annoncé, ben Google nous donne des points en main et du coup, on descend. On est limite banni. Par contre, si on met une publicité avec un très bon message et que les gens cliquent souvent sur notre message, c'est-à-dire qu'on a un très haut taux de qualité, même si on paye moins que la personne qui est devant nous, on va pouvoir apparaître au-dessus. Oula, tout va bien. Donc, et bien sûr, on a YouTube, qui est le troisième mode de publicité, et c'est la vidéo dont on a parlé tout à l'heure, donc qui respecte aussi les mêmes principes. Ensuite, on a tout ce qui est SMA, Social Media Advertising. Donc là, c'est pareil, c'est de la publicité, justement. Donc on a vu tout à l'heure la promotion de publication et la redirection vers site web. Là, on va voir quelques exemples. Donc promotion de publication, ça donne ça. Quand vous êtes sur Facebook, vous voyez un post qui arrive avec sponsorisé, c'est qu'il y a quelqu'un qui a payé et que vous faites partie de la cible de cette personne. Si vous commentez dessus, la personne va payer. On peut payer soit par engagement, donc à chaque fois que quelqu'un va liker, commenter, partager. On peut payer par affichage, on peut payer par clic. On peut choisir justement le mode qu'on veut. On a aussi redirection vers site web. Donc c'est le même principe, sauf qu'on va payer uniquement quand les gens vont cliquer et aller vers notre site web. Il y a même aussi, mais aujourd'hui, l'option shopping. Si on a des produits, je ne sais pas moi, des t-shirts, des pantalons, etc., on peut mettre des petites offres qui vont apparaître uniquement pour ce produit. Quand la personne va cliquer, il va aller directement vers la page pour acheter ce produit-là. Facebook est en train de travailler sur même un mode pour pouvoir acheter directement sur Facebook. Et bien sûr, on a le Search Engine Advertising, donc qu'on a vu tout à l'heure avec la publicité sur le moteur de... Ah voilà, c'est ça le slide que je cherchais tout à l'heure. Donc là, on a les différents modes expliqués entre Search, Display et YouTube. Voilà des exemples, justement. Donc là, on voit encadré en jaune, à gauche et à droite, donc les publicités qu'on peut voir apparaître. Et là, sur mobile, ce que ça peut donner aussi. Bien sûr, l'une des parties aussi les plus importantes, c'est la veille concurrentielle. Qu'est-ce que font nos concurrents? Comment est-ce qu'ils se comportent? Quelles sont les stratégies qu'ils adoptent? Je vais passer rapidement sur ça parce que le temps est bientôt terminé. Donc, on peut faire de la veille sur les sites web, savoir ce que les gens font sur leur site web, quels sont les mots-clés qui mènent vers leur site web, etc., pour essayer d'utiliser ça sur nos propres sites web, sur nos campagnes à nous. On peut faire la même chose sur les réseaux sociaux avec des outils comme Social Bakers, qui peut nous donner justement toutes les informations qu'on veut sur nos concurrents. Qu'est-ce qu'ils payent, où ils payent, qu'est-ce qu'ils postent, de quelle manière, quel est leur public, etc.
et sur les applications. Si on a des applications et que notre produit est lui-même est une application qu'on aimerait bien faire télécharger par les gens, que ce soit pour acheter des, que l'application soit payante ou qu'on gagne de l'argent grâce à la publicité, donc on peut faire la même chose sur les applications, sur les deux stores qui sont Android et iOS, qui sont les seuls aujourd'hui à pouvoir donner ce genre d'informations. Donc avec ça, on peut vraiment savoir ce que nos concurrents font, de quelle manière ils le font, et pouvoir justement soit copier ce qu'ils font, soit essayer d'améliorer notre process par rapport à ce qu'ils font. Et c'est ça la partie veille dont on en parlait. Donc, voilà. Et on a aussi la partie réputation, qui est la dernière partie. C'est ce qui se dit à propos de nous sur le web, de quelle manière est-ce que les gens nous perçoivent, et pouvoir justement réagir par rapport à ça, et gérer ce genre de situation pour éviter les crises. Ou utiliser les bons retours comme moyen marketing pour pouvoir les lancer dans nos campagnes. Voilà, donc, est-ce que vous avez des questions ?